Donc Paris m'appartient, c'est tout simple, c'est une carte en plein écran géolocalisée sur laquelle je suis ici et sur laquelle vient se plaquer toutes sortes de choses. En fait, toutes sortes de choses, c'est trois types de choses. Donc on pourra sélectionner. C'est le qui, le quoi et le transit. Qui, quoi, transit. Le qui, c'est ce que les gens disent. Donc qui, c'est tous les messages qui sont autour de moi dans les 500 mètres, par exemple, ou 400 mètres. Qu'ils ont raconté, donc ça vient de l'API Twitter par exemple, un tweet a été dit ici il y a 3 minutes, blablabla. Le quoi, c'est des événements, je vais changer de couleur, hop, les événements qui sont autour de moi, les concerts, les expositions, donc de la même manière on peut voir ce que c'est, hop, en regardant tout le type, et le transit, c'est les informations très pratiques de la RATP par exemple, ici il y a un Vélib, ici il y a un bus, le dernier métro ici passe là. Donc le point d'entrée toujours c'est la carte et on peut switcher en activant ou désactivant ces trois calques qui sont le qui, le quoi et le transit. Toutes ces informations là viennent d'un serveur qui récupère plein de données de Twitter et d'autres API. Ce qu'on permet aussi c'est d'avoir un champ d'entrée, texte très simple, dans lequel on peut venir écrire je suis tout seul, qui veut m'accompagner pour sortir. Ok. Auquel cas la position ici où j'étais, le message vient se poser à cet endroit-là et sera disponible pour les autres personnes. Au même titre que les autres tweets, donc dans le qui, je viens au sein même de l'app écrire un message qui va s'ancrer sur le territoire dans la catégorie qui est visible par les autres. C'est Paris m'appartient, Paris Smart.